Et salut à tous, c'est Ingo, on se retrouve pour l'épisode 6 sur Stellaris avec notre empire robotique. Épisode 5, ouais, on s'est arrêté, on regardait un petit peu tout ce qui était à tout de l'ascension avec les traditions. J'avais fait une boulette ici, j'aurais pas dû mettre ça. C'est en fait un accroissement des dégâts des armées, en fait j'aurais dû prendre ça plutôt dès le départ. Bon, on va faire avec. De toute façon, on est entouré par des gens qui vont nous faire la guerre et qui ne nous aiment pas du tout. Voilà, il va falloir tenir le coup, clairement. Les seuls avec qui ça va à peu près bien, c'est eux. Et encore, c'est pas monstrueux. Ok, je vais enlever le mode pause, du coup, on est reparti. Alors, on commençait à développer un petit peu la flotte, ça c'est une bonne chose. Ici, c'était notre prochaine colonisation, la cinquième donc. Alors attendez, elle est ici. Ok, on va la mettre en contrôle 5. Voilà, ça c'est fait. Ici on avait tout terminé. On était plutôt pas mal. Ça c'était construit, ok. Tout ça on peut pas encore y déblayer. Ok, là c'est en construction. Sur cette planète. Alors ça, on peut l'améliorer, on va le faire. Ok, on va prévoir une pop ici. Une ici également. Et sur cette planète, ça va être pareil. Alors, on va prévoir une pop ici. Ça, c'est en train de se faire, c'est en train de se faire. On va en prévoir une là. Alors on s'est implanté où déjà? C'est ici. Mince, on s'est implanté sur cette planète. C'était ici, il me semble bien quand même. Je le vois plus. Là, j'avais rien de construit. Ok, bon, on va faire une centrale ici. Hein. On va perdre deux, mais tant pis. Hein. Ouais, quoique, j'aurais pu le laisser sans rien faire. Alors, on a une production de minéraux qui est déjà assez énorme. Là, il y a des sacrés bonus également. Ce que je cherche, en fait, c'est notre système... notre administration. Centrale basique. Tiens, d'ailleurs, ici, on va pouvoir faire le panneau solaire. Ok, je sais plus où on s'est implanté sur cette planète. Là, c'était là, c'est clair. Et sur celle-ci, aucune idée. Je crois que c'était là. Hein. Pour avoir les bonus adjacents ici. Ok. Nouvelle communication. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, des xénophiles ce coup-ci, tiens. Alors, eux, ils sont mal barrés et fanatiquement spiritualistes. Eux, ils devraient pas trop nous embêter. Alors, ils sont où? Contact. Ok, ils nous aiment pas non plus. Ils nous aiment pas non plus, mais bon. Je sais même pas où ils sont en fait, lesquels c'était. Ah, on est vraiment pas apprécié, c'est incroyable. Les opinions diplomatiques là sont très mauvaises envers nous. Pour tout le monde. Eux, ils sont vraiment amis avec eux. Ça, c'est vraiment pas bon pour moi. C'est vraiment pas bon pour moi. Construction complete. Ouais, eux, par contre, nous aiment bien. Ça, c'est vraiment énorme que l'Empire déchu. Soit plus ou moins nous apprécie plus ou moins, c'est plutôt cool pour nous. Ça c'est clair. Toi tu vas pouvoir aller là après, hein. Assez vite. Ok, on va accélérer un petit peu le temps. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ressources stratégiques. Pour l'instant on n'a rien. Alors il me semblait que sur l'une de mes planètes, j'en avais. Ok,
on a un paquet d'améliorations disponibles. On le fera un peu plus tard, je pense. Technological acquisition successful. Ok, une technologie terminée, capacité navale plus 10%, excellent. Ça, c'est pas mal du tout. Ça produit plus 2 par rapport à ce qu'on a. On va en avoir besoin, je vais le prendre. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, spatioport niveau 3. Ça, ça a l'air très bien, mais c'est vraiment très long. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça, vu qu'on va se faire la guerre assez rapidement, à mon avis, avec nos chers voisins. Va falloir pouvoir répondre. Sinon ça va être compliqué. Alors lui il ne cherche plus ici. Ok, bah tu vas continuer à explorer par là. On va peut-être trouver des choses intéressantes. On va voir. On n'est pas loin de l'Empire déchu ici. Honnêtement, si je me fais attaquer ou si on me déclare la guerre, je sais pas s'ils vont venir. J'ai jamais eu le cas en fait. Ah mince, je me suis trompé, j'ai mis ce clic. Aïe aïe aïe, ok. Ok, on recommence, on va laisser ça comme ça pour le moment. Voilà, pas plus, ça ira bien comme ça. Il va falloir qu'on crée des secteurs après. Conclu un pacte de non-agression, ok. Donc les Glorious. Ça fait quelques jours que j'ai pas repris de Let's Play, donc faut que je me remette dedans vu que je fais pas mal de vidéos en ce moment. Donc les Taxildar République, c'est là. Twax Idar, ouais. Et les Glorious, ils sont où? C'est eux. Alors ça veut dire que eux et eux vont être amis du coup, parce que eux ne s'aiment pas, eux s'aiment bien, mais eux... C'est bizarre hein, ce qu'ils ont fait là. Et Kroll, pacte de non-agression avec Glorious. Les deux là, ok. Est-ce que moi je peux faire quelque chose en termes de diplomatie? Ce qui serait bien en fait, c'est que je me fasse ami et peut-être avec eux, mais les Quenti là, ils m'aiment pas du tout, je crois. Quenti, conglomerate. Ah, c'est vraiment pas top. System survey complete. Je vais mettre fin à la rivalité avec eux. Par contre, eux, je sais plus où ils sont. On va déclarer la rivalité pour gagner de l'influence. Ok, ça c'est fait. Avec eux. On verra ça par la suite. Ok, on va accélérer un peu le temps. Bon, l'univers, la galaxie commence à prendre son... commence à se dessiner tout doucement, mais très sûrement. Ok. Alors, ce qu'on va regarder ici, c'est sur le spatioport. On va le passer niveau 2, celui-là. Et celui-ci également. Pour les autres, on va attendre un petit peu avant. Ah, le poste de déploiement est bien ici, ok. Construction complete. Alors ça on peut l'améliorer, on va le faire, on va pas se gêner. Ça c'est très bien. Est-ce qu'on avait lancé un décret? Faut que je regarde. Non, alors qu'est-ce qui pourrait nous arranger?
Je vais en relancer un sur les recherches sociétales. Pour accélérer un peu. Ok, on a le vaisseau de construction qui a fini ici. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, on a des stations de recherche. On va les faire. Et celui-ci s'occupe de ça. Et après, tu iras là. Ok. Ça me paraît pas trop mal comme ça. On est à plus 10 ici, pas de problème. Sur notre budget, on est bien. Même avec une colonisation, là, ça c'est plutôt cool. Démographie minéraux plus 5, crédit énergétique plus 5. Ok. Construction complete. On va aller voir un peu notre concepteur de vaisseau. On va baisser un peu la vitesse. Sur nos corvettes. Alors on peut améliorer aussi nos vaisseaux coloniaux, etc. Construction. Enfin, vaisseaux de colonisation plutôt. Scientifiques également pour qu'ils aillent plus vite, etc. Mais bon. C'est pas le plus important. Le transport, ça c'est pour nos troupes. Ah, et on peut améliorer les plateformes de défense. Je crois pas que c'était le cas avant, en tout cas, quand j'avais joué. Meilleur automatiquement. Non, j'ai pas envie de faire ça. Station de défense. Ah, pour l'instant, on n'a pas grand-chose sur nos corvettes. On n'a qu'un type de missile. Ah, ordinateur de combat intermédiaire. Faites voir ce que ça change. Ça, pas grand chose, on va le faire. Vitesse de combat plus 10%. Donc ça, c'est clair qu'on va le mettre. Ici. Là, je passe à plus 7. Ok, on va le faire sur les corvettes, ça. Améliorer nos réacteurs à fusion. C'est plutôt cool. Plus 17 en alimentation, ça nous coûte pas énormément plus cher. Des minéraux, on en a plein. Ok, ça c'est un système. Parfait, pas de problème. Lui, il en est où? Il va se barrer ou quoi? Alors attendez, qu'est-ce qu'il fait? Non, ça il a déjà découvert, c'est là qu'après tu vas aller. Ah oui d'accord, c'est qu'il en avait pas découvert celui-ci, effectivement. Effectivement, effectivement, ok. Lui il va mener sa petite vie ici. Je pense qu'il en a pour un bon moment d'exploration. Alors, pacte de non-agression entre qui? Les Great Oklar Hierarchy et les Glorious Ifnar. Alors, ils sont où? Technological acquisition successful. Communiquer. Fanatiquement xénophobe militariste. C'est incroyable là, ce qui se passe quand même sur cette map. Donc les Glorious Ifnar, ils sont où? Ok, c'est d'accord, c'est ici qu'ils sont. Bon, je suis entouré de fanatiques militaristes, hein, c'est voilà. Là maintenant, on en est sûr. Alors défense synchronisée. Oh, c'est excellent ça. Ok, on prend ça direct. Alors, proposition de pack défensif. C'était donc ça, Glorious Ifnar. J'arrive pas à voir où ils sont en fait, ils sont où? Alors, les Great Oklar, ils sont là. Ah, c'est avec eux, d'accord.
Ok, ça a été accepté. Ok, alors eux viennent de déclarer la rivalité à nos seuls alliés potentiels. C'est un truc de dingue. Là, ils sont en train de remonter avec nous. Alors attendez, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux? Si je leur donne des minéraux un petit peu. Bon, ils vont accepter instantanément normalement. Du coup, on passe à plus 69. Conclure un plaque d'honoration. Voilà, on peut améliorer notre situation. Je vais le faire avec eux. Cela va accroître la confiance de cet empire, ok. On va le faire, on va voir. On va voir ce qu'ils vont répondre. Ok, on va accélérer un petit peu le temps. Technological acquisition successful. Ok, nœud de réseau, c'est fait, excellent. Terraformation. Entretien des armées, moins 10%. Capacité stockage d'énergie, plus 2000. Ouais, ça c'est pas mal, mais est-ce que j'en ai besoin tout de suite? Moi, la terraformation, je m'en fous un peu, quoi. Alors attendez, je vais mettre en pause. Bloqueur. Bloqueur de type Doline. Est-ce qu'on en a? On en a une ici. Je crois pas que ce soit très intéressant. Non, c'est pas intéressant du tout. On va prendre ça. Entretien des armées. Par contre, ce que je vais faire... Juste 46% avec le décret, je crois que c'est ça, c'est monstrueux. Si je l'enlève... Alors attendez, on va voir ça tout de suite. Si je le place sur la recherche physique... On gagne plus 20% avec le décret, là on va l'augmenter un petit peu aussi. On va pas se gêner. Ok, ils ont accepté. Excellent. Alors, du coup... Plus 69, ça va rester stabilisé là. Ok. Ça va s'accroître avec le temps comme c'était indiqué. Alors ici il y a énormément de choses à améliorer. On va faire ça en premier bien entendu. Alors, ça va prendre du temps hein, mais il faut le faire. Je crois qu'on va tous les faire, on va tous les prévoir. Comme ça, ce sera fait sur cette planète. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Horde de flotte annuée. Notre 1 n'a pas pu construire la station de recherche du système. Les ressources ont été remises en réserve. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, spatioport est fait ici. Non, ça j'avais tout fait, pas de problème. Bon, ça me coûte cher, hein, mais il faut le faire. D'ailleurs, j'en ai pas construit sur cette planète. Il va falloir que je prévoie un emplacement pour... Alors... ici. Plus 115. En fait, ce que je voudrais faire, c'est construire notre bâtiment spécial. On va sacrifier un truc ici. On va faire ça. Pour un d'énergie, c'est pas très grave. En fait, il m'en faudrait presque un sur chaque planète. Ok, là, il me le fait là. Ok. Ici c'est bientôt fini, ça c'est une bonne nouvelle.
Notre spatioport. Notre spatioport a été fait. Corvette. Alors attendez, comment ça se fait que j'ai deux types de corvettes là? Non, non, ça me va pas. Ok, donc vous. Ici, voilà, on peut mettre des blindages, on va le faire. Coûte un petit peu plus cher, mais ça me paraît nécessaire. Là, on n'a pas de composants pour ça. Ok, sauvegarder. Ça, c'est bon. Alors, le spatioport niveau 2 est fini. Ici, et on va faire un chantier d'assemblage de corvettes, ça ira plus vite pour leur construction tout simplement. Et là, ça doit être pareil. Ouais. Je vais pas le faire pour celui-ci. Quoique. Ouais, si je vais le faire. On pourra ajouter des choses, de toute façon, il y a plein d'emplacements. Spatioport. Ok, il va falloir le spatioport niveau 3 pour faire les destroyers. Technologie manquante, destroyer. Ah bon? Ah bon, ah bon, ah bon. Ça, on va renommer notre force ici. On va mettre comme ça. Ok, première flottilla. Bon, ça change pas grand chose. Vaisseau de construction, toi tu es où? Tu es là. C'est ici qu'il y a eu un truc d'annulé, donc je pense tout à l'heure. Je sais plus du tout ce qu'il y avait. Tu vas plutôt aller là, toi, après. Hein. Très clairement. Alors, sur les technologies. Voilà, on va le laisser quand même, le bonus. Ça me paraît énorme. On va accélérer un petit peu le temps. Un énorme empire, ici. Pour l'instant, on n'a qu'un empire déchu. Normalement, il y en a trois sur la carte. Avec eux. On va regarder un petit peu la carte diplomatique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eux ne nous aiment pas du tout. Hein. Oh là là. Ils sont vraiment potes avec eux, ça c'est vraiment embêtant. System survey complete. Ah eux ils aiment personne. On va rester tranquille hein, pour le moment, surtout qu'on est entouré vraiment de queue de psychopathes là. Par contre eux, en fait les Kungan, ils s'aiment bien, donc nous on impacte. Ils s'aiment beaucoup avec eux les Quanti et avec eux là-haut. Je pense que eux, du coup on devrait pas trop avoir de problème avec eux. On verra, mais je pense que ça devrait le faire. Hein. Vraiment le danger pour moi c'est plutôt les Twax, mais ils ont pas d'accord je crois encore. Est-ce qu'on peut le voir? Pacte de non-agression c'est tout. Hein. Ils ont pas, y a pas d'alliance ni rien encore. Pourquoi elle a pas pu faire ça? Ordre de flotte annulé. Ah oui d'accord, non c'est juste moi qui ai annulé les ordres, pas de problème. Ici ça a été fini, non pas encore. On est passé à plus 16 avec tout ce toutes les améliorations qu'on peut faire à la surface là, qui sont en cours. C'est vraiment excellent. C'est ici par contre que j'ai pas de bâtiment.
Je vais en mettre un là, je pense. Ah, je peux pas en faire. Ok. Je peux pas faire de... De nœud de liaison, ok. Je peux pas faire de nœud de liaison sur cette planète, et pour quelle raison? Je vais faire une centrale ici, tant pis pour le bonus. Ok, biolaboratoire, service ombilical, B d'ingénierie. System survey complete. Planetary surface settlement established. Ça c'est vraiment pas mal. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Spatioport niveau 3 permet le destroyer. Ok, c'est en cours de... C'est en cours de construction. Et là on a notre nouvelle colonie, excellent. Alors... on va prévoir une pop ici. Non, ici on va rien construire pour le moment, c'est des pop que je veux. On va les prévoir, on va en prévoir pas mal. Coût des bâtiments moins 10%, ça c'est vraiment cool. Je sais pas si je peux faire de réimplantation. Peut-être qu'on pourrait. Ça pourrait être pas mal ça, de faire ça. C'est pas l'urgence non plus, donc on verra si on en a vraiment besoin après. On verra ça, ouais, pour améliorer notre planète ici. Ok, c'est parti pour le spatioport sur notre nouvelle planète. Limite de secteur, on est passé à 3. Il va falloir qu'on le prévoie assez rapidement, ça. Ok, ouais, il est venu ici, il a découvert ça, excellent. Donc, toi qui es ici. Alors, ils construisent, c'est toi qui vas finir en premier. Donc, tu iras là. Ok. Et toi, eh bien, tu vas continuer à explorer. Plutôt comme ça. Je pense que là ça commence à être pas mal. Lui il va pas s'ennuyer à mon avis. Ok, là c'est le max. Et l'autre vaisseau scientifique là, ok, il va être ici. On va lui demander d'aller là. Ok. Ok, une petite anomalie, on va enquêter. On va pas s'en priver. Je vais ralentir encore un peu le temps. Alors où on en est, je voulais regarder un petit peu nos personnalités qui ont pas mal évolué quand même. Je crois qu'on était plutôt pas mal. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Sidor 2 abrite des formes de vie titanesque. Pour certaines, d'accord. Donc c'est ici. Tiens, ça on va le faire, ça dure pas longtemps. Ah bah c'était notre projet spécial, ok. Ok, ces formes de vie spatiale que nous appellerons Tianqi sont des créatures paisibles. Ok. Ok, secteur établi, pour le moment on s'en fout un peu. Et tout ça on peut pas y faire encore, ok.
Alors, portée de la cible. L'astéroïde HL-Q38 est jalonné de cratères provoqués par des armes et il semble avoir été utilisé comme champ de tir il y a environ 2 millénaires. Les révélés énergétiques résiduels laissent à penser que les armes exotiques y ont été testées. Des armes exotiques. Notamment des bombes subspatiales ainsi qu'une sorte de générateur de singularité. Le scientifique aimerait étudier les échos énergétiques restants. Ok. Ça me l'a pas indiqué où c'était. Je pense que... C'est marrant comment ils se développent là. Alors, eux ils vont prendre des planètes ici, mais... Ils vont se faire bouffer quoi. Et eux ils se rapprochent dangereusement de... De l'Empire déchu qui est là. Alors certes ils ont qu'une planète, mais j'aimerais... D'accord. Ok, en fait c'est ils ont construit un section annulaire en ruine. Méga structure appartenant. D'accord. Ah, c'est un truc spécifique au robot ça. Ils ont construit ça autour de leur étoile. C'est vraiment stylé hein. Je sais pas si nous on pourra le faire. Mais en tout cas c'est vraiment stylé. Ok, ici ils ont fini. Insulte diplomatique. Salut jeunes. Salut les petites, les jeunes. Je dis n'importe quoi. Salut les petites calculettes. Ok, c'est quoi ça encore? Des xénophobes fanatiquement militaristes. Ok, je vais mettre en pause. On va arrêter là pour l'épisode 6, je pense. Défense synchronisée, ça c'est terminé, c'est excellent. On va juste choisir la prochaine recherche. Ça, pour l'instant, on s'en fout. Ça c'est quoi? Développement des colonies plus 50%? Drone de fabrication de colonies. Tiens, tiens, tiens. Réacteur à fusion froide. Ok, je vais prendre ça. Je vais prendre ça et puis on verra ce que ça dit pour le prochain épisode. Du coup, nous, on se quitte là pour l'épisode 6. Et une fois de plus, je vous dis à très vite pour l'épisode 7. Salut à tous!